monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue, elle m'a été beaucoup demandée. J'avoue que je suis grave en retard pour cette vidéo, je l'avoue. C'est pour le bilan New Skin. Voilà. Je vous mets maintenant la photo avant. Donc maintenant, voilà ce que ça donne. Je vous avouerai, j'ai pas fait de photo. J'en ferai peut-être une avant de faire mon montage comme ça pour mettre à côté. Franchement, moins de boutons, moins de marques. J'ai une peau plus douce avec moins de bosses, je sais pas trop comment vous dire. Moi, c'était surtout des petits kystes. Bon, j'en ai encore, hein. Ça m'a pas tout enlevé. Mais franchement, j'en ai déjà beaucoup moins. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça fait quelques temps que je l'utilise plus pour des raisons XY, hein. Mais franchement, j'étais contente. D'accord, c'est un sacré budget, je suis d'accord. Mais ça décoince, entre guillemets, l'élimination des boutons, je trouve. Donc ça a quand même bien aidé, il en reste dedans, hein. Je peux encore refaire une cure entre guillemets. Mais franchement, j'en suis vraiment ravie. Bon, tout n'est pas parti, je l'admets. Mais c'est moi aussi qui, au bout de... Parce que ça fait plusieurs mois que j'avais commencé. J'ai dû vraiment faire un mois. Et après, c'était un petit peu de temps en temps. Et là, j'avoue qu'en ce moment, je l'utilise vraiment plus. Voilà. Mais je suis vraiment ravie. J'ai moins de rougeur aussi peut-être. Je me regarde dans la glace. Bon, vu que je sors de la douche. Non, j'ai vraiment moins de boutons et moins de marques. Ça, c'est tout à fait visible. Enfin, même beaucoup d'amis m'ont parlé, m'ont dit, mais t'as fait quelque chose? T'as moins de boutons? T'as moins de marques? Oui, 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 j'ai fait quelque chose. Donc voilà, ce sera une vidéo très courte parce que je vais pas épiloguer dessus. Est-ce que je rachèterai ou pas? Je ne pense pas. Parce que c'est vraiment onéreux et que... Bon, par contre, ça dure longtemps, hein. Enfin, mes bouteilles, franchement, là, il y a plus de la moitié. Je pense qu'il y a les trois quarts. Là, j'ai un peu plus de mal à dire parce que c'est bizarre. Bon, il y en a moins, je pense, dans celle-ci. Ah oui, par contre, je voulais préciser ça. Donc, le produit, ça, c'est le deuxième qu'on met. On lave d'abord avec ça, après avec un coton. On pose celui-là. Celui-là m'a brûlé le front, surtout le front, peut-être là un petit peu, je sais plus, mais le front, et ça me faisait comme des petites cloques. Du coup, j'en ai parlé avec la personne avec qui je l'ai eu, qui m'a dit qu'il a pensé exactement la même chose que moi, c'est-à-dire d'espacer. Donc je faisais plus matin et soir, déjà j'avais arrêté pendant quelques jours, je faisais le reste, hein, mais je faisais plus celui-là parce que ça me brûlait quand je passais dessus, je me suis dit stop, tu vas te brûler la peau. Du coup, pendant quelques jours, je ne l'ai plus mis du tout et c'est parti. Donc ça venait vraiment de ça parce que le reste, ça ne brûlait pas. Donc c'était forcément ça. Du coup, après, je sais plus, je crois que je le mettais que le soir. Il me semble que c'était ça, je le mettais que le soir. Et du coup, ça m'a plus brûlé la peau. Donc je pense que celui-là était vraiment trop fort pour ma peau. Pour ceux qui ont une peau sensible, attention à celui-là. Sinon, le reste, que franchement, j'ai pas eu de soucis avec du tout. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de vous répondre, comme à chaque fois. Voilà, j'espère que ce petit compte rendu vous aura plu. Et que vous ayez enfin, parce que sur la première vidéo, on faisait que nous demander « Alors, t'as fait ta vidéo bilan ?» Et non, j'avoue que je ne l'avais pas faite, mais c'est bon, c'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez la vidéo. Je vous attends dans les commentaires, ça avance, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!